Mesdames et messieurs, bonsoir. Après cette petite pause, nous allons poursuivre sur cette campagne du virus HIV avec une secrétaire médicale. Bonsoir Claudie. Bonsoir Roseline. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invitée. Voilà. Donc, nous parlons tout à l'heure avec Alan, notre infirmier, sur les risques que pouvaient prendre certaines personnes et, bien évidemment, après avoir été infecté, avoir contracté le virus HIV, ce qu'il fallait faire et ce qu'on recherchait. Alors maintenant, j'aurais aimé savoir, dans ton parcours de tous les jours, comment ça se passe justement une visite et surtout qu'on parle de dépistage dans les laboratoires nationaux et dans nos territoires. Alors, pour se faire dépister, c'est très très simple, hein. Il suffit juste de se présenter au laboratoire avec sa carte vitale. Nous n'avons pas besoin d'ordonnance. C'est pris en charge par la Sécurité sociale parce qu'il s'agit d'une campagne, comme tu l'as dit. Et donc, les jeunes, les moins jeunes, les enfants mineurs accompagnés, bien sûr, les personnes ayant des droits à la Sécurité sociale peuvent participer à cette campagne de dépistage et peuvent bénéficier de ce dépistage. Après, il existe aussi les CEJ2D pour les gens qui n'ont pas de sécurité sociale ou pour les mineurs qui ne seraient pas accompagnés. Mais c'est une chose qu'il faut promouvoir dans la mesure où on n'est pas à l'abri. C'est ça. Est-ce que comment les personnes accueillent cette campagne? Ben, les personnes en général l'accueillent plutôt pas mal, cette campagne. Et quand ils n'y pensent pas, on essaye de suggérer. Est-ce qu'ils acceptent sans problème de pouvoir participer à ce dépistage? Est-ce qu'il n'y a pas un questionnement qui est autre voilà? Ben en fait, j'ai envie de dire, ils l'accueillent plutôt bien dans la mesure où ils viennent au laboratoire se faire prélever. Donc, quitte à le faire, autant le faire à ce moment-là. Et je crois que la question qui se pose le plus, c'est la question de la prise en charge, mais on leur explique que ben, c'est quelque chose qui est pris en charge et qu'ils n'auraient pas de frais à avancer, ni aujourd'hui, ni demain. Est-ce qu'il faut prendre un rendez-vous? Parce que... Pas nécessairement. Le laboratoire est ouvert de 6h à 18h sans rendez-vous. Nous faisons des prélèvements jusqu'à 16h, ouvert entre midi et 2h et ouvert aux tout venants. D'accord. Est-ce que tu as des personnes que tu as rencontrées qui sont effrayées, mais qui le font, mais qui sont quand même effrayées peut-être par le résultat? Alors, comment ça se passe pour le résultat? Alors, pour le résultat est négatif, il n'y a pas de problème, la personne récupère son résultat. Au bout de 24 heures, hein. 24 heures, c'est vraiment la dernière limite. Après, pour les résultats positifs, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a d'autres recherches. Déjà, il faut pousser la recherche pour être sûr qu'on est bien face à un résultat positif. Et après, ben, c'est plutôt, on oriente les gens, les patients vers leur médecin traitant. D'accord. Eh bien, je crois qu'on est arrivé au bout de nos questions. Peut-être qu'il y en a que tu te poses, non? Moi, personnellement, non. La réflexion que je me ferais, c'est que je me dis, on est quand même en 2023 et c'est dommage que les gens aient encore peur ou soient encore réticents à se faire dépister, malgré le fait qu'ils aient une attitude à risque. C'est vrai. Vraiment dommage. Et ça, c'est pas forcément pour les jeunes. Hein. Ça ne se démontre pas que chez les jeunes. On voit aussi chez les gens, chez les personnes avec une certaine maturité, dirons-nous. Mais les patients se mettent encore en danger et ont peur du résultat. Et oui, c'est ce que tu as remarqué. Oui, c'est ce que j'ai constaté. Oui. Donc, je voudrais bien te remercier. Hein. Merci pour cette information. N'hésitez pas.
n'hésitez pas à venir vous faire dépister dans les laboratoires. On rappelle que c'est une campagne qui est menée par qui, rappelle-moi le... Par la Sécurité sociale. Par la Sécurité sociale. C'est donc qui est gratuite. Voilà, c'est une campagne gratuite, ouverte à tous, sans ordonnance, sans rendez-vous, dans tous les laboratoires nationaux et dans nos territoires. Merci d'avoir suivi cette petite émission Top Santé sur l'information. Aujourd'hui, on a parlé du VIH. En effet, après ces dernières semaines de carnaval. De carnaval, ah oui, voilà, ça s'impose. Donc la prise de risque était peut-être plus importante. Donc je vous remercie à tous et en vous souhaitant une bonne soirée et à très bientôt. Merci Roselyne. Merci.